Bon, on va dire à l'exercice. Vous voyez, l'exercice est partagé. Ah oui, monsieur, partagez. Bon, on a vu ça et ils nous disent ici que les conditions initiales sont nulles. Les conditions initiales sont nulles, donc directement pour y tierce, la troisième dérivée c'est S3 YS, la deuxième dérivée c'est S2 Y2S, la première dérivée c'est S Y2S et c'est la même chose pour les X. X prime c'est S Y et XES et X de T c'est X de S. Donc on obtient si vous voulez cette équation-là. Cette équation-là. On ramène les y à gauche et les x à droite. Donc, on obtient ça. Et de là, j'ai de s qui est égal à y de s sur x de s égale à k fois s plus 50 sur s carré plus 15s carré plus 50s. Est-ce que c'est clair ça? C'est clair? Allô? Allô? Oui, monsieur, on est là. Oui, monsieur. ياكم معايا مساح جاوبوني ماشي غير نتايا الاخرين وراهم مراقدين Oui, جاوبوا ولا كوا monsieur, c'est comme ça. ايه يا دي جون على بالي يديروا البورتاب تاعهم وراه يحوس في لاري ديزلي كويك كومام هاي انا جو بو دون ان اكزومبل تو سويت ها هاي وراه المهدي وراه هذا هذه حفصه بلال وراهي هنا او هنا وراه أنا فهمت. هاك تهدر صح صح وراه منير بن دالي on essaie de réguler si vous voulez une de ces variables donc en boucle fermée donc on a le schéma suivant le schéma suivant donc on prend la fonction transfert en boucle ouverte g de s et on fait la boucle comme ils ont dit retour unitaire donc il n'y a rien dans la boucle de retour il n'y a pas de h de s si vous rappelez bien. Donc, on a, si vous voulez, ce système-là. Il nous demande, qu'est-ce qu'il nous demande? Voilà. De déterminer la fonction transfert de S du nouveau système. C'est-à-dire, maintenant, le système bouclé, il faut recalculer Y de S sur X de S. Ce n'est plus la même chose que quand c'était en boucle ouverte. Donc, on prend ça. Y de S égale à quoi? Égale à G de S fois X de S fois Epsilon de S. C'est l'écart. Epsilon de S, c'est l'écart. Et y de s, l'écart, c'est quoi? C'est y de s moins ce qui arrive ici. Ce qui arrive ici, c'est quoi? C'est y de s. Il n'y a rien entre les deux. Donc, il y a y de s. Donc, x de s moins y de s. Et de là, on remplace y de s dans la première. Dans la première, on obtient ça. Après tout calcul fait, on obtient, si vous voulez, ça. On remplace, si vous voulez. Et on fait sortir à droite les x et à gauche les y. Donc, on obtient T de S égale à G de S sur 1 plus G de S. Voilà la fonction de transfert du système bouclé. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Si ce n'est pas clair, vous me dites. Si vous avez des questions, vous me dites. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me dites.
Donc, on vient de trouver T2S. T2S, c'est G2S sur 1 plus G2S. On vient de la trouver. Hein? D'accord. Qu'est-ce qu'ils nous disent après? Calculer l'erreur de position. Comment on fait pour calculer l'erreur de position? On a trouvé T2S. Classe. L'erreur de position, comment on la calcule? Allez, dites-moi. Quelqu'un me dit. La limite de epsilon. Comment? La limite, monsieur. Eh? La limite de l'erreur finale. Oui. Tant que t plus l'infini, là, il y a le temporal, l'erreur fréquentielle. Donc, la limite de S fois epsilon de S. Tant que S égale 0. 0 vers 0. D'accord. Chauffez, c'est-à-dire, gardez-la dans votre mémoire. Si vous avez T tend vers l'infini, le S tend vers 0. Si vous avez T tend vers 0, c'est-à-dire la valeur initiale, le S, il va tendre vers l'infini. D'accord? C'est toujours l'inverse. Si, par exemple, je vous demande de calculer l'erreur à l'instant initial, à T égale 0. Donc, c'est limite de S de T, de epsilon de T, pour T tend vers 0. Si vous n'avez pas epsilon de T, vous dites limite de S, epsilon de S, mais S tend vers l'infini. Donc, quand vous avez le T tend vers 0, c'est l'infini. Et quand le T tend vers l'infini, le S tend vers 0. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, ce qu'elle a dit, c'est bon. Mais maintenant, il faut déterminer le Y de S. On sait comment le faire, c'est très simple. On prend toujours ces deux équations-là, mais seulement dans ce cas-là, on remplace le Y de S dans la deuxième. Donc, on obtient, si vous voulez, ça. Voilà. Voilà les deux équations. On a remplacé Y de S dans la deuxième, on obtient ça. Et on fait sortir le Y de S à gauche et le X de S à droite. Et on trouve que Y de S égale à X de S sur 1 plus G de S. X de S, c'est l'entrée. Donc, on prend un échelon. Donc, le X de T, c'est un échelon unitaire. Donc, quand c'est un échelon unitaire, X de T, parce qu'on a dit dans l'exercice, je suppose, voilà. Est-ce qu'on a dit échelon unitaire? Quelque part. On n'a pas dit, mais là, il faut toujours mettre, on dit, vous mettez, X de T échelon unitaire. Voilà. X de T. X de T, échelon unitaire. Donc voilà, je reviens. On a l'expression de l'erreur. Voilà. X de T est un échelon unitaire. Donc X de S, si vous prenez X de T égale à 1, vous trouvez que X de S, c'est 1 sur S. Je suppose que tout le monde a compris ça. Maintenant, c'est quoi epsilon de P? C'est limite de T tend vers l'infini de epsilon de T. Ou bien limite de S tend vers 0 de S epsilon de S. Donc, je viens ici, limite de S tend vers 0, S, epsilon de S. Epsilon de S, c'est ça. X de S, c'est quoi? C'est 1 sur S. Et G de S, c'est ça. Donc, ça sera, si vous voulez, ça. Vous remarquez en haut que le S avec le 1 sur S, ça donne 1. Et en bas, S égale 0. Ça fait 50K, 0, 0, 0, 0. Donc, 1 plus 50K sur 0. 50K sur 0, ça donne quoi? 50K sur 0, ça donne l'infini. Infini, monsieur. Donc, oui. 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc, c'est une bonne erreur. Donc, le système, il suit parfaitement l'entrée. L'erreur est égale à 0. D'accord? Au régime permanent, le système, il suit parfaitement l'entrée. C'est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Et c'est ce qu'on veut. On veut que l'erreur soit égale à 0. Qu'est-ce qu'ils disent encore en haut, dans l'exercice? Bon, calcul de leur position. Là, on a calculé avec deux façons différentes. Ben, ce n'est pas grave. Ça, c'est la première. Maintenant, pour déterminer Y de T, bon, l'erreur, c'est quoi? C'est X de S moins Y de S. Y de T, c'est X de T moins Y de T. X de T égale à 1. Donc, Y de T égale à 1 moins Y de P. Et leur position. Donc, 1 moins 0,
ça fait 1. Donc, y de t, c'est 1. Ça veut dire que le y, il est égal à x. Donc, il suit parfaitement le x. Très bien. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'étude de la stabilité. On a fait des exercices, mais on va faire encore, c'est-à-dire dans ce cas-là. Étudier la stabilité du système suivant les valeurs de K positif du système bouclé à l'aide du critère de Root. Root Hurwitz, bien sûr. J'ai dit Root, mais c'est le critère de Root Hurwitz. Donc, à l'aide du critère de Root Hurwitz, on vient ici, on prend l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, c'est quoi? C'est le dénominateur de la fonction de transfert. La fonction de transfert du système, c'est celle-ci. Donc, 1 plus G de S égale à 0, c'est ça l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, pardon. Voilà. Donc, 1 plus G de S égale à 0. Donc, 1 plus, on a cette équation, on l'a trouvée tout à l'heure, G de S. Bon, on réduit au même dénominateur et tout. On obtient cette expression. Donc, cette expression égale à 0, ça veut dire que le numérateur est nul, n'est-ce pas? Donc, je prends le numérateur est nul et je le décompose et tout. On obtient, si vous voulez, ça. Voilà. D'accord? La première condition de Root, c'est que tous les coefficients soient positifs, non nuls. Le premier coefficient, c'est 1, positif. Le deuxième, c'est 15, positif. Le troisième, c'est 50 plus K. Mais dans l'exercice, on vous a dit que K est positif. Voilà, K positif. Ça veut dire que 50 plus K, c'est un nombre positif. 50 K, K positif, donc 50 K, c'est positif. Donc, K positif. Donc, la première condition est vérifiée. La deuxième, on va essayer de mettre le déterminant. Ici, nous sommes au degré 3, ça veut dire que nous avons l'ordre du déterminant est d'ordre 3. Donc, delta, il est là. Je viens ici dans mon équation. Qu'est-ce que c'est? Je commence par le deuxième, an-1. Donc, 15, an-1, ensuite an-3. C'est 50K. Et après 50K, il n'y a rien, il y a 0. Je mets 0. Ensuite, je vais à an. An, c'est combien? C'est 1. an-2. Donc, on est là, 50 plus K. An-2, on est là. Donc, 50 plus K. An-4 n'existe pas, c'est 0. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets 0 et j'écris la première ligne. Je mets 15 et 50 K. Je ne mets pas le 0 parce que comme c'est 3-3, donc je ne peux pas aller à 4 colonnes. Donc, je m'arrête à 3 lignes. D'accord? 3 colonnes, pardon. Donc, j'obtiens le delta comme ça. La condition, c'est que tous les mineurs d'ordre moins 1, les mineurs, parce que delta, il est d'ordre 3. Donc, les mineurs d'ordre moins 1, c'est delta 1 et delta 2. Delta 1, c'est 15. 15, c'est un chiffre positif, un nombre positif, donc c'est positif. Delta 2. Delta 2, c'est ça. C'est 15, 50K, 1 et 50K plus K. Donc, on obtient ça. On détermine le déterminant. Delta 2, on le calcule. Donc, ça sera 15 fois 50 plus K, moins 50K. Donc, ça sera 750 moins 35K. Parce que là, ça sera 15K et 50K, ça fait moins 35K. Et de là, 35K inférieur à 750. Ça veut dire que K est inférieur à 750 sur 35, donc 21,43. Et initialement, ils nous disent que K est positif. Donc le K, il est supérieur à 0, inférieur à 21,43. Donc quand K appartient à, si vous voulez, à cet intervalle-là, et les deux valeurs exclues, on dit que le système est stable. Si K est en dehors de ces valeurs-là, c'est-à-dire inférieur à 0, ce n'est pas stable. K supérieur à 21,43, le système devient instable aussi. Donc le système est stable pour K entre ces deux-là, parce qu'il faut que les deux soient positifs. Donc le delta 2 est positif. Pour qu'il soit positif, il faut que K soit inférieur à 21,4. On prend un exemple, regardez bien. On prend un exemple, 750 moins 35K. Si vous prenez par exemple, K égale 22 par exemple. 22 fois 35, faites le calcul, vous allez trouver que 750 moins 22 fois 35, ça va donner quelque chose de négatif. Tant il a moins 20, monsieur. Hein? J'ai la moins 20. Moins 20, c'est bon. Non, oui. Jusqu'à 21,43, la différence sera positive. Au-delà de 21,43, vous allez la trouver
Si K est supérieur à 24,43, c'est négatif. Si K est inférieur à 0, ce n'est pas possible, parce que le K, il est toujours positif. Donc, pour avoir une stabilité, c'est entre 0 et 21,43, exclu. Le 0 exclu et le 21,43 exclu. D'accord? Oui. Voilà. Donc, dans cet intervalle-là, on peut dire que le système est instable. Mais si nous avons un K égal à 30, par exemple, donc, automatiquement, le système est instable. Instable. Donc, il est stable pour les valeurs qui sont comprises dans l'intervalle que vous voyez devant vous. Est-ce que c'est clair? D'accord, monsieur. Ah, on a fait cet exercice. Est-ce que vous avez des questions? Je m'adresse à tout le monde. Hein? Coefficient de la matrice de Taouda maintenant. Les coefficients de la matrice. Hado, hado. Oui, monsieur. Comment je les ai eus? Voilà. Comment on fabrique, on confectionne, si vous voulez, le déterminant Hada. Hada, le déterminant, une seconde, je vais vous ramener le fichier Hada. Je crois que je l'ai. Attendez, une seconde. Voilà. Ah, le déterminant qui va se faire. Allez, c'est la condition. Donc, on dit Hada. Voilà. Donc, vous avez d'ordre N, dans le cas général. C'est AN. Regardez le cas. AN, AN-1, AN-2, AN-3. Et après, les autres AN sont nuls dans notre cas. Donc, on commence par AN-1. Vous avez AN. Ici, c'est AN-1. Quel AN-1? 15, monsieur. 15, d'accord. Très bien. 15. On va AN-3. Ça, c'est moins 1. Moins 2, moins 3. C'est contre K. C'est contre K. AN moins 7. Il n'existe pas. 0. Maintenant, on s'arrête. On revient. AN. AN ici, c'est 1. Oui. AN moins 2. Donc AN. AN moins 1. AN moins 2. C'est contre plus K. C'est contre plus K. AN moins 4. Mekesh. Parce que ça, moins 2. Moins 3. Moins 4. Mekesh. C'est 0. 0. Donc on a. On a 0, donc on a deux lignes. Il faut une ligne parce que nous sommes dans un d'ordre 3. Parce que le plus haut degré, c'est S3. Donc la matrice est à 3, 3, le déterminant. Donc je prends la première ligne, je mets 0 et j'écris la première ligne. 15, 50K, normalement 0. Je ne mets pas le 0. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir 4 colonnes. Je m'arrête aux troisième colonne parce que nous avons 3, 3. C'est un déterminant carré. Donc j'obtiens un des déterminants. Voilà. L'éliminateur, c'est Hada l'oulani, 15, on va Hada, on va faire le cas qu'il y a une demi-heure, parce que la troisième, c'est la matrice elle-même, le déterminant lui-même. Maintenant, on prend les mineurs d'ordre moins 1. Il n'y a qu'un delta 3, nous avons delta 1 ou delta 2. D'accord? Hada, il est d'ordre 3, si vous voulez. Voilà. Donc, on prend delta 1 et delta 2. Delta 3, ça sera le déterminant lui-même, ce n'est pas la peine. On s'arrête à 1 moins 1. Est-ce que c'est clair pour celui qui a posé la question? C'est clair, monsieur, c'est clair. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y a les autres. Monsieur Flair, on a fait la question de l'oula ou on a fait la deuxième question? Oui. La question de l'oula, on a fait l'erreur finale, monsieur. Oui, la question de l'oula. Allez. Pour déterminer la transformation de la place, on a fait la Hnaya. وين حسبناها اللي راح حسبناها خطره برك هاي اللي كليرا هاي اللي كليرا هذه هذه هي ليرو بوزيسيون ليرو بوزيسيون اسمع ليرو بوزيسيون فينال باسكو هنا غير غادي دون لي بوزيسيون الاولى وزدنا حسبناها في لا دوزيام اسمح لي لا ما حسبناهاش في الاولى كيخرجت 50 كا سور 1 plus 50k. Mais on a 50k. Oui, 50k. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Allez. Oui, 50k. Mais je veux dire, il y a l'erreur de position. Parce que non, je veux dire. Bon, la fonction transfert T2. Est-ce que je veux calculer l'erreur de position échelon unitaire? On a calculé l'erreur. Ah, je veux dire, il faut assurer des bords, monsieur, ça.
هذه ما اسمع الا كان سيستم ماشي يصير فيه ما كاش ليرور يا واسمك هنايا هنا في الكاب في البريميكا كي يكون هنا وحده هنايا هنايا ما تنجمش كالكيلي ليرور باسكو علاه ما كاش روتورينيتير هنايا دقيقة برك يا الله منين نجيب لكم دوك هذه اسنتو لا أبو. Je vais faire une chose, si j'arrive à le faire, on fait un coup. Voilà. Allez, je me dis ce qu'il faut. Très bien, très bien, très bien. Donc, je vais faire ça pour vous expliquer. Bon, allez. Voilà, je viens ici. Voilà. هذه في كالكولينا لو جي دو اس سي بور ان سيستم كوم سا ici est-ce qu'il y a une erreur ici est-ce qu'il y a une différence est-ce qu'il y a un epsilon de s ما كاش يا با ان روتور دونك اون بو با كومباري دونك هنا ليغور اون بو با لا كالكولي ديريكتومون اون لا كالكولي او فير او ميزور بو شاك فالور قال يا اكس دو اي دو تي اكس دو اون ميزور اي دو اس ا شاك فوا اي دو تي اون لو كومبار اكس دو تي ماشي كيما هنايا باغ اكزومبل اون ا ديريكتومون ان ايكار نو زافون ان ايكار D'accord. Donc je reviens. Donc à la voie d'exercice premier. Pardon, je vais mettre ça. Attendez. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Voilà l'exercice 1. Donc voilà. On a l'erreur. Bon, on a calculé l'erreur et on a calculé y de t. Donc, si l'erreur est égale à 0, ça veut dire que x de t est égal à... Regardez bien. Hein, si ça est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x de t est égal à y de t. Et c'est ce qu'on a trouvé. Y de t égale à 1. Et x de t, on sait que c'est 1, c'est un échelon unitaire. D'accord? Ensuite, il y a la stabilité. On a vu déjà comment on a dit la stabilité. Est-ce qu'il y a des questions encore? Est-ce que c'est clair? Allô? Je voulais poser la question. Allô? C'est bon, c'est clair, monsieur, c'est clair. Ah, il y a d'autres questions, hein, je suis à votre disposition. Monsieur, oui, je suis. La partie de la comparaison. Qui êtes-vous? C'est Mohamed Al-Hajj. Le prénom qui va? Mariam, Mohamed Al-Hajj, Mariam. Ah, il y a mademoiselle Mariam, oui. Vous êtes Avec la partie, tu as le déplacement d'un comparateur en amont d'un élément. Déplacement d'un comparateur en amont d'un élément. D'accord, oui. Non. Pardon. Déplacement d'un comparateur en amont d'un élément. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, mais c'est là. Voilà le déplacement du rayon.
Monsieur, je vais faire la fonction de transfert d'un système. Ce n'est pas plus fort. Ensuite. Allô? Exactement, oui, monsieur. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Le principe. Ah, le principe. Je fais par exemple, là, on a un schéma compliqué. Vous voyez dans ce schéma, par exemple, on a la partie deuxième, qui vous dérange. Vous voulez simplifier le système, vous voulez retourner ce système là, sous cette forme-là, c'est plus simple. Vous voyez, ça veut dire que le Y, là, il va être à la sortie. Donc, pour qu'il soit à la sortie, Z est égal à quoi? Chauffez-vous bien. Hein? X, c'est Y fois 1 sur G. Donc, Y sur G fois G. Ça va donner Y. Donc, X plus Y. Si je mets ici, je le ramène à l'angle 1 sur G. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura Y fois 1 sur G plus G fois X. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut que Z soit toujours le même. Je prends ici. Gouna Y fois Y sur G plus X, le tout fois G. Quand vous multipliez le tout fois G, vous aurez GX plus Y. D'accord? Donc, là, quand je le ramène ici, là, à la sortie, j'ai directement le Y. Donc, je mets Nehé le 1 sur G. Le Z, ça sera X plus X fois G plus Y. Vous voyez ce que je veux dire? C'est GX plus ou moins Y sur G. Quand vous faites rentrer le G, ça sera GX plus Y. Ici, le Z doit être égal à GX plus Y. Ça, si je mets le 1 sur G ici, ça sera GX plus Y sur G. Et ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas égal à ça. Donc, je dois enlever le 1 sur G. Si je suis là et je passe ici, je dois multiplier par 1 sur G. Et si je suis là et je viens ici, je dois enlever le 1 sur G. Le 1 sur G pour avoir la même sortie. Z, c'est quoi? C'est ce qui arrive ici. Ce qui arrive ici, c'est X fois G, plus Y. Alors, qu'est-ce que vous avez Z? Égal à X plus Y sur G, plus ou moins, parce qu'on a mis plus ou moins, fois G. Mais quand vous ferez rentrer le G, ça sera GX plus YG sur G, le G s'en va, donc GX plus ou moins Y. Donc, ça sera la même chose. Mais si, par exemple, vous prenez vous allez avoir XG plus Y sur G égale à Z. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la même chose qu'ici. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Mademoiselle? Oui, monsieur. Mohamed El-Hajj, non, si vous avez compris, vous me dites. Hein? Monsieur, c'est la position de comparateur. Bien sûr. Donc, si vous mettez le comparateur, on a la sortie, c'est gx plus y. Donc, on a gx plus y direct. Allez le multiplier par 1 sur g. Par contre, quand il est là, deuxième, maintenant, c'est x. C'est gx plus ou moins gy sur g. Le g sur g s'en va. Si je ne mets pas le 1 sur g, ça va être x plus y fois g. Donc, ça va être gx plus gy. Alors que là, j'ai gx plus y, mais j'ai plus gy. D'accord? C'est pour ça que je multiplie par 1 sur g. C'est pour éliminer le g. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. D'accord. Sinon, d'autres questions? Aïe. Qui dit mieux? اليوم عايشك تا واسمها كومو سابيل اسني امراحوا لي لي نون كاع اون فوار عبد الرؤوف حسب اللاوي والو باشا انا هنا مسيو بكير داكور مس مادموزيل بكير وي مسيو ما سمعتكش اليوم جو سوي لا انا عارف وجات لا يا با دو كيسيون نو شرقي وي مسيو شكون جوج موسى شرقي انا ناشر نافي با دو كيسيون فوز افي تو كومبري وي مسيو با تري بيان سو تري كونتون بور فو تواتي مهدي وي شيخ فهمت سافا حفصة بلال نعم شيخ حليمي مادموزيل حليمي اللي لا
Halimi. Apparemment, elle n'est pas là. Ben Dali, Nasreddin. Qu'est-ce que Nasreddin? Je suis là. C'est quel nom? Boukartas. Ah, Boukartas, d'accord. Samah, le délégué. Ça va, vous avez compris? Hein? C'est bon, ça. Radia Touet, elle est là? Hein? Ça va, vous avez pas de questions? Oui. Ta Marie. Oui, monsieur, c'est clair. C'est bon. Donc, je ne vais pas énumérer Galé, non. Donc, ce que je peux vous dire, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Même en dehors du module, hein, concernant les autres modules ou la Hadja, si vous avez un problème. Les TP, combien de TP vous avez fait? 4. Avec monsieur Zitoun, de tout TP. Carito. Oui, monsieur. Monsieur Zitoun, combien de séances? Deux séances. Non, pas encore. Trois heures, monsieur. Mais c'est une semaine. Normalement, oui. D'accord. Monsieur le Hassar. Normalement, l'examen hard, il est un examen. D'accord. Monsieur le Hassar. Monsieur Ahmed Dahman. Il y a trois séances, il peut être une ou deux. Il y a deux séances. D'accord. Ou monsieur Mebarkif TP. Il y a une seule. Lundi prochain. Donc, ça marche bien. Ça va, il n'y a pas de problème. Allô? Oui, monsieur, ça va. Les TP, c'est bon. Les autres modules avec monsieur Djikab, ça va, vous avez avancé. Matouja, Touja aussi, vous avez avancé, Matouja. Oui, monsieur. Est-ce que vous comprenez bien avec lui? Hein? Monsieur Touja, monsieur. Hein? Oui, ça va. Ça va, qui va ça va? Ça va, je suis à ta. Là, monsieur, bon. C'est bon, ah, il y a très bien, très bien. Mais monsieur Djakartani, c'est bon. Oui, monsieur. Et le moyen, c'est ça, parce que c'est important pour vous pour l'année prochaine. Hein? Donc, je suis ouvert à vos. À toute sollicitation. Donc, si vous avez des questions ou là, sur n'importe quoi, je...